Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Art Me. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos consacrée à la réalisation de ce diorama sur la Première Guerre mondiale dont vous avez pu sentir l'ambiance. Je vais tout vous dévoiler, des figurines à la structure et la peinture du diorama, la réalisation des accessoires ou encore de l'eau boueuse et de l'explosion, autant de détails et d'éléments qui permettront au char de prendre vie sur le champ de bataille. Depuis la réalisation du Mark V, dont vous pouvez retrouver toutes les étapes sur ma chaîne, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an. Alors effectivement, les nombreuses heures mises bout à bout donnent plutôt plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais voilà, étalé dans le temps libre, voilà ce que ça demande en durée de réalisation. Avant de démarrer ce premier tutoriel, je tenais à vous remercier pour votre soutien car vous êtes plus de 1000 à vous être abonné à Mini Art Me sur YouTube en un an et plus de 600 à me suivre sur Instagram, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps de vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour être au courant des futurs contenus. Je vous remercie également pour vos nombreux commentaires, questions et encouragements, ça fait vraiment chaud au cœur et je vous souhaite par là même une très bonne année 2022. J'ai donc décidé de démarrer cette série par les personnages qui prendront vie sur le diorama. C'est seulement la deuxième fois que je réalise des figurines, j'en avais fait rapidement pour le diorama sur la Seconde Guerre mondiale que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vidéo sur Mini Art Me. Je considère ces nouvelles figurines comme réellement les premières pour lesquelles j'ai pris du temps à les réaliser. Réaliser des figurines est très complexe et cela demande beaucoup d'expérience, notamment pour la réalisation des visages. Vous allez le voir, la finesse des visages n'est pas parfaite, mais ça sera pour moi l'occasion de vous partager les difficultés et ce que j'ai pu apprendre sur ces figurines. Montage, peinture, vieillissement, réalisation des armes et de leurs sangles, c'est tout de suite sur Mini Art Me. La boîte contenant les figurines et les morceaux de tranchées proviennent de chez Masterbox, avec la référence 35116. Comme vous pouvez le voir, elle contient 3 personnages allemands et 2 de l'armée britannique. La tranchée est composée de 2 pans de mur que vous pouvez mettre en face à face, mais comme vous allez le voir, j'ai préféré les mettre en continu d'un seul côté, afin de mettre en avant la scène de combat pour bien voir les personnages. Ici, nous pouvons voir les éléments de la tranchée. Voici les armes allemandes. Voici les armes et accessoires britanniques. Et enfin, les grappes des figurines. Au niveau des figurines, la qualité est très acceptable. Il faut savoir que, comme les maquettes de véhicules, il existe plusieurs marques, plus ou moins précises et fidèles, sur la finesse des gravures. Ici, Masterbox fait un travail satisfaisant, largement suffisant si vous démarrez dans les figurines. Pour le dégrappage et le ponçage, vous aurez besoin d'une pince coupante, d'un cutter, d'une brosse à dents pour faciliter le nettoyage des poussières de plastique, et pour l'assemblage, j'utiliserai la colle fine Plastic Magic de chez Deluxe. Pour le ponçage, je conseille le set de chez Tamiya, avec plusieurs formes de lime. Je conseille aussi des limes plus douces, afin de polir progressivement vos pièces sans faire de dégâts. Certaines limes à ongles peuvent d'ailleurs très bien faire l'affaire. Comparé à du dégrappage de maquettes de char, cela va être nettement plus long et précis à faire, étant donné les formes des figurines qui sont en courbe. Comme d'habitude, nous prenons le temps d'enlever les lignes de moulure. Pour cela, le cutter et les limes sont vos meilleurs outils. Ici, vous pouvez voir un point de moulure assez important qu'il faudra limer progressivement afin de tester le rendu avec l'autre partie du corps pour éviter toute erreur avant le collage. Pour les visages, ils ont rarement besoin de retouches car ils sont déjà bien moulés. Quant au casque, ils sont assez fins et fragiles, prenez donc votre temps.
Nous passons ensuite aux étapes de collage où progressivement chaque membre et accessoire de la figurine sont assemblés. Je vous conseille ensuite avec une chute de grappe en plastique de coller un bâton sous une des chaussures afin de faciliter leur manipulation et la mise en peinture. Cela évitera ainsi de toucher à la figurine. Pour prévoir et faciliter la peinture des visages, deux possibilités. Vous pouvez mettre chaque tête de côté ou les assembler directement sur le corps. Ici, j'ai décidé de faire le test avec un visage isolé et le reste déjà collé. Au final, je vous conseillerais de ne pas coller la tête afin de peindre le visage à part. C'est nettement plus simple pour peindre dans tous les différents recoins. Lors des derniers collages d'accessoires et avant la peinture, n'hésitez pas à numéroter vos figurines entre la boîte et votre support pour vous aider à gagner du temps et ne pas vous tromper. Avant d'appliquer la couleur primaire, nous allons dégraisser au liquide vaisselle nos figurines. Cela permettra d'enlever les dépôts et autres graisses produites par vos doigts lors des manipulations. La peinture pourra ainsi se fixer sans problème sur le plastique. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Pour la couleur primaire, j'utilise le Surface Primer Gris Clair de chez Valero. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo toutes les références des produits utilisés. Pour les casques, j'ai utilisé le Surface Primer de couleur noire de chez Valero. Nous allons pouvoir démarrer les étapes de peinture. Pour la couleur de base de la peau, vous pouvez partir sur un marron sap de chez Valero, référence 876, et ajuster ensuite les ombres et éclaircies avec du noir et du blanc. Le plus difficile sur les visages est de bien doser la quantité, les différentes couches et la dilution de votre peinture. Je ne m'attarderai malheureusement pas sur les étapes de peinture des visages car ça n'a pas été la meilleure expérience possible comme vous pouvez le constater, même si avec un peu de pratique, j'ai commencé à avoir des résultats un peu plus satisfaisants. Pour les uniformes, vous pourrez aller plus loin en peignant certains détails comme ici les coutures rouges des uniformes allemands. Le résultat étant finalement peu visible, je me suis concentré sur ce détail sur une seule figurine, celle du moustachu. En termes de couleurs, sachez que les références sont toujours indiquées au dos de la boîte. Libre à vous ensuite de tester les couleurs et d'ajuster sur ce qui vous plaît le mieux. Pensez à bien secouer vos peaux avant usage et à utiliser un pinceau très fin. Pour l'application des couleurs des uniformes, le mieux est de passer 3 couches fines et bien diluées. Attendez plusieurs heures entre chaque couche. Et voici le résultat après 3 couches. Nous effectuons ensuite les éclaircies et les ombres. Pour cela, partez de votre couleur mélangée avec soit du blanc ou du noir. Placez une lumière par-dessus le personnage pour vous rendre compte à quel endroit la lumière s'amplifie et où il y a de l'ombre. Notamment dans les plis des vêtements.
Voilà le résultat, cela donne déjà plus de volume et de réalisme à l'uniforme de notre figurine. Prenons le temps de voir les trois étapes en photo, l'assemblage, le visage et la couche de primeur, et enfin l'ensemble des étapes de peinture. Avant de passer au vieillissement, nous allons vernir nos figurines. Commencez par brosser vos figurines pour enlever les potentiels dépôts de peinture ou les poussières. Deux possibilités ensuite pour le vernis, soit un vernis brillant, soit un vernis mat. Sachez que le vernis brillant permettra de mieux ressortir les couleurs et de mieux laisser glisser les effets de boue par exemple. Mais pour avoir testé les deux, je n'ai pas vu d'extrême différence. C'est à vous de voir. D'ailleurs, si vous avez des conseils à ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après séchage complet, nous allons appliquer du wash acrylique de chez Valero aux pigments de terre européenne. Afin de ne pas trop mettre de pigments, on pourra diluer le wash toujours avec du diluant de chez Valero. Avant de démarrer, je vous invite à vous inspirer des photos d'époque. Nous avons la chance maintenant avec les dernières technologies d'avoir des colorisations de vieilles photos qui sont très fidèles. Cela vous permettra d'observer que les salissures sont principalement en bas des uniformes, en dessous de la ceinture et sur les bottes. Cela permettra d'être le plus fidèle possible sur les effets de salissures de nos figurines qui ont subi la météo et le terrain du champ de bataille. Le wash que nous appliquons va permettre d'unifier le rendu de la figurine, notamment les différentes couleurs qui la composent. Attention à ne pas trop en mettre sur les visages et à retirer l'excédent. Pour l'effet mouillé du bas de l'uniforme, j'utilise le Loose Ground and Splashes de chez Ammo. N'hésitez pas à le diluer un petit peu. Afin d'augmenter le réalisme, je pars sur l'utilisation d'éclaboussures de boue européenne de chez Valero. Le produit est plutôt épais, donc je vous conseille de le diluer à 50%. Nous allons utiliser la même technique que lors de la réalisation du vieillissement du Sherman que vous pouvez voir sur la chaîne, avec un pinceau à poil dur et un cure-dent. Enfin, je termine avec de la boue épaisse européenne, toujours de chez Valero. L'objectif est d'en déposer un petit peu sur les bottes et les jambes, comme nous l'avons vu sur les photos d'époque. Nos personnages ainsi réalisés, nous allons pouvoir nous concentrer sur les armes. Après dégrappage et ponçage, nous allons appliquer le surface primer noir de chez Valero. Pour éviter d'abîmer la peinture et de manipuler aisément les armes, une pince inversée et une mousse fine seront l'idéal.
Après une bonne heure de séchage et pour les parties qui n'auraient pas été peintes car incrustées dans le support, vous pouvez terminer au pinceau. Avant de passer aux couleurs, au même titre que pour les figurines, inspirez-vous des photos des armes de l'époque. Beaucoup de photos de répliques existent aujourd'hui pour effectuer une meilleure précision dans votre travail. Vous allez voir que je teste plusieurs teintes de couleurs avant de passer à la bonne. Le conseil que je vous donne est de tester votre première couleur sur la première couche afin de pouvoir vous rattraper sur la deuxième, voire la troisième. En réalité, deux couches suffisent sur les armes et je ne leur applique pas de vernis. Afin de renforcer le réalisme des parties métalliques des armes, utilisez de la peinture gunmetal que vous pouvez mélanger avec des teintes de base comme du noir ou du gris. Afin de donner une touche de détail et de mouvement aux armes qui seront portées par nos personnages en plein combat, la réalisation des sangles sera nécessaire. Pour cela, nous allons utiliser une feuille d'aluminium alimentaire et des bandes de masquage, ici de chez Amo. Commencez par coller une bande de masquage de chaque côté de l'aluminium et découpez-en un grand rectangle. L'avantage avec cette technique est d'avoir un papier souple et solide qui peut facilement se plier sans faire de grosses marques. Vous pourrez ensuite analyser les armes et le placement des accroches afin de déterminer la longueur nécessaire des sangles, tout en prenant en considération qu'elles ne seront pas droites mais courbées. Pour augmenter le réalisme de fixation de nos sangles, je vais utiliser du fil très fin de 0,15 mm à l'aide d'une pince coupante et d'une pince à embout rond. Je vais former une accroche légèrement ovale. Il suffira ensuite de coller chaque accroche aux extrémités de la sangle grâce à de la cyano comme de la colle 21. C'est un travail très minutieux et il faudra vous armer de patience.
Le collage sera très délicat, car il ne faut pas mettre trop de colle et bien se positionner sur l'arme. Prenez le temps d'attendre le séchage complet avant de passer au collage de la deuxième accroche. N'hésitez pas à tordre légèrement vos sangles afin de donner du mouvement et du réalisme. Les sangles sont maintenant collées, nous allons pouvoir appliquer du surface primer noir avant de passer à la peinture. Je vous conseille un pinceau très fin, ici un pinceau de chez Amo de taille 5, constitué de poils Kolinsky. Pour la couleur de la sangle, prenez le temps d'avoir une couleur acceptable. Ici, je réalise un mélange de kaki de chez Valero avec du rouge brun de chez Tamiya. Pensez à régulièrement nettoyer votre pinceau afin d'éviter les dépôts lors des étapes de peinture. Ne chargez pas trop non plus votre pinceau. Nous pouvons désormais fixer les dernières armes avec la colle Plastic Magic de chez Deluxe. Et voilà, c'est terminé pour cette première étape du diorama avec la réalisation des figurines à l'échelle 1:35. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous retrouve très bientôt avec les étapes de réalisation de la tranchée et du socle du diorama. Merci et à bientôt sur Mini Army.